Madame, s'il vous plaît. Madame. Ah, le sac avait déjà été contrôlé. Ici? Oui. Non, là-bas. On était là-bas, nous sommes avec les autres. Tout ça en appui. Allez-y. Tout ça en appui. Allez-y. Je ne fouille pas. Si vous êtes à deux, vous êtes à voir ce qu'il y a dedans. Peine et tout ça. Regardez, je n'ai aucun peine, j'ai le wifi, j'ai le téléphone. Oh, j'ai le compte. Vous venez. Oui, ça va couler. Oh, la connexion déconne depuis le stade de Martyrs. À l'intérieur, un monde fou. Des Congolais qui arrivent depuis 6 heures ici au stade. Habillés, voilà, tous sont arborés, des t-shirts aux effigies du président de la République, de la RDC, des partis politiques, membres de l'Union Sacrée. Ma connexion déconne. Hey! Tantine, Yaka, pardon. On ignore la tine. Regardez,
Continuons le ballon, continuons le ballon. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est loin d'être terminé, mais d'ici quelques minutes, on nous signale que les portes vont être fermées. Pas encore. Mais non, les temps, oui. Après un moment, si c'est plein à l'intérieur, on ne saura plus recevoir pour éviter les épidémies. Oui. En tout cas, Kinshasa s'est réveillé aujourd'hui avec l'idée de venir assister à la cérémonie de prestation de serment du président de la République, Félix Tshisekedi. Pardon. Merci. Réserve Tamoué, honorable. Alors, ça symbolise quoi cette journée pour vous? Alors, honorable Doukouloumou, élu de Kassomolouna dans le Congo. Comme je le disais tantôt, malgré que la connexion déconne, je vais faire de mon maximum pour accéder à l'intérieur. Souffrez que je coupe cette vidéo là parce qu'elle va couper. Je vais essayer de me connecter autrement. Peut-être que cette fois là j'aurai une connexion assez fluide, puisque celle que j'utilise maintenant là me pose énormément des soucis. Mais regardez derrière moi, le stade de Martyrs se remplit depuis 6h du matin, les portes ouvertes. Elles étaient d'ailleurs ouvertes depuis 5h et ce n'est pas encore fini. C'est loin d'être terminé. Des Guinois qui viennent en masse, qui représentent leurs partis politiques respectifs. Mais il y a aussi ceux qui ne sont pas membres des partis politiques, mais qui viennent pour participer à la cérémonie pour voir. Il y en a qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais vu à l'œil nu comme ça une prestation de serment. Et donc, ils viennent par centaines. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises. La police assure. Une police appuyée aussi par la garde républicaine. En tout cas, jusque-là, aucun incident. Chacun vient, se présente à l'entrée. Mains levées, les femmes, les sacs fouillés, les objets tranchants n'accèdent pas dans l'enceinte du stade. Et donc, justement, pour préserver, pas de parfum pour ceux qui veulent venir, il faut venir maintenant. Car à l'intérieur, ça s'annonce déjà. Alors, je vais essayer d'avancer. Désolé, il fait chaud en même temps. Je vais essayer d'avancer de l'autre côté pour voir à l'intérieur ce que ça donne. Merci à vous qui nous suivez, merci à ceux qui partagent vos vidéos, à ceux qui likent et à ceux qui commentent. Merci de donner l'opportunité à ceux qui ne sont pas connectés de nous suivre et à ceux qui ne nous suivent pas de découvrir qui nous sommes à travers vos partages, à travers vos multiples commentaires qui nous vont droit au cœur, puisque c'est une manière de nous encourager. Je peux essayer? Voilà. Alors, à l'extérieur, c'est vraiment l'ambiance de fête. Ils viennent tambour, bâton. Ils sont, voilà, même des vieux. Regardez-moi cette dame-là. Oh là là, oh là là. Regardez-moi cette dame. Regardez-moi cette dame.
Regardez-moi cette dame. Oh, c'est une grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu? Oh là là. Regardez. C'est impressionnant, ça. Une mémé. Une mémé. Oh là là, mon Dieu. Regardez-moi cette mémé. Oh là là. C'est formidable, ça. Madame Rachel, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de prendre photo aujourd'hui. Hein. Je vous suis très très régulièrement. Est-ce que je peux avoir votre contact? Pourquoi vous pas ça très souvent? Non, j'ai pas mis ça. Alors à côté, comme vous le savez, il y en a qui en profitent aussi. Hein. C'est un petit marché de fortune qui a vu le jour. Voilà, tout ça qui accompagne voilà, la fête des Quinois qui viennent ici. Alors à l'intérieur, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. À tout à l'heure.